Jean-Dominique Okemba, député grand maître franc-maçon, est remonté contre les opposants politiques congolais de la diaspora congolaise en France. C'est lui qui rêve d'être le futur président de la République du Congo, à l'instar de son neveu, Christelle Sassou Nguesso, avec qui il se dispute le fauteuil. Dans le plus grand secret, a jeté son dévolu sur certains activistes congolais en France. Aristide Mobebisi, chroniqueur controversé, dont la réputation soulève des questionnements sur ses positions politiques, est régulièrement espionné par les barbouzes employés par la dictature congolaise. Des sources bien introduites au sein du régime nous informent du fait que ce dernier serait sur la liste, une longue liste des figures des opposants congolais à éliminer. D'ailleurs, une information a été confirmé allant dans ce sens par le principal intéressé sur sa page Facebook où il a notamment publié le visage d'une barbouze qui en veut à sa vie. Guy Mafimba, John Benit Nzaba, Roland Lévy Nito et Brice Landry Deco sont également espionnés par Jean-Dominique Okemba à travers certains transfuges au sein de la diaspora. La communauté congolaise de France est devenue le dernier rempart que le pouvoir maléfique et inique de l'empereur Doyo tente de briser. Une information à prendre avec la plus grande prudence pour toutes les personnes qui dénoncent le régime hideux du despote Denis Sassou Nguesso.